Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode. Alors je suis en train de me dire qu'on pourrait... Un nouvel épisode de Dredge. Je suis en train de me dire qu'on aurait pu rentrer, machin, patacoufin, mais... Elle a la recherche. Elle détient le pouvoir ancestral de la recherche. Et c'est plutôt plaisant comme information qu'il aurait... Ah, il fait nuit, mais... là, je crois que c'est son moteur qu'elle. Attendez que je prenne les infos. Le moteur, en termes de taille, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Est-ce que c'est déjà quelque chose que je peux supporter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, c'est déjà quelque chose que je peux supporter. Donc, oui, c'est très intéressant. De rester pour débloquer la recherche du moteur. Sans parler qu'après on ira beaucoup plus vite. Donc, un petit ZZ. Et on va aller s'aventurer dans le milieu de cet endroit. Pourquoi mon filet de pêche il est pas à la mer? Merci. On y retourne. Donc je disais, on va s'infiltrer là-dedans. Et traverser tout ça, parce qu'il y avait potentiellement une île de l'autre côté que j'avais pas vu, pas rencontré, pas machin. L'autre il va venir nous cogner. Évidemment, ça fait longtemps qu'il nous a pas culbuté. Et le spot est épuisé, bien sûr. Hop. Est-ce que... Ouais, on verra. Ça fait une place pour une planche. On le voit plus du tout ce poisson, il est passé où le gros là? Il est censé te mettre rentré dedans au moins 4 fois là. C'est quoi? C'est des... C'est du tissu? Ça n'intéresse personne du tissu, mec. Bouge-toi là. Le rangement est un peu compliqué là du coup. Hein. C'est un peu... C'est pas évident. Hein. A l'air comme ça mais... Ah comme ça. Et ça comme ça. Voilà. En tout cas, bien chargé. Ce que j'aimerais c'est qu'on puisse passer à travers la cascade. Ça se trouve c'est possible. Hein. Ça se trouve je vais juste me prendre un mauvais coup. Ouais, on va se garder un peu de place. J'ai trouvé un dark truc. Il me faut un truc pour pêcher le poisson des abysses. Un coffre rongé est posé sur un tas de débris au fond de la grotte. Regardez à l'intérieur. Je reviendrai pour toi, petit poisson des abysses. Je te le promets. La place pour ça, c'est chaud, mon pote, hein. Chaud, un peu chaud, un peu mort. Hein. C'est un peu dead. Faut qu'on aille jusqu'au port droit devant. Alors toi non plus, je vais pas avoir la place. Des planches. Tissu, c'est nul.
Tissu, c'est nul. Putain, il y a vraiment que du tissu là. Ça intéresse personne ce truc. On se met là. Lacoste. Une petite sieste des familles. As-tu vu ma belle quenouille? Voilà, on laisse les brouillards chelous péter un câble. On tire jusqu'à la journée tranquillement. Et on se regarde si on n'a pas... Pourquoi... Ah! Oh! Ah! Ah bah moi qui me demandais depuis tout à l'heure où est-ce que t'étais. Tu m'as campé tranquillement tout le long. Ok. Au moins il a été sage. Il a été sage, il a été mignon. Planche on disait. Planche en notre planche. Planche hein. Planche de ouf même hein. Plancher tout ça tout ça. Hein. Pas carrelage quoi. Hein. Ça comme ça. Ça comme ça comme ça. C'est comme ça. J'ai rien gagné en place. Obscur. C'est le maximum que j'ai. J'ai plus de place. Mince, c'est embêtant. Alors que je jette des trucs par-dessus bord. Techniquement, ça, j'en ai plus vraiment besoin. Hein. Mais on va le garder. On va jeter ça par-dessus bord. Voilà. Comme ça, on peut reprendre la dernière planche. Et on est bien. Voilà. Je voudrais donc, moi, juste explorer... Ça, c'est le caillou de la fin du monde. Il n'y en a pas d'autre. D'accord. Donc, j'avais bel et bien vu le dernier caillou avant la fin du monde. Très bien. Très bien, très bien. Il me reste plus qu'à remonter tout ça, tranquillement. Mais putain, mais quel con. Va te faire foudes. C'est que t'es encore sur mes côtes. Hop, c'est que t'es encore sur mes côtes. Oh, je lui ai fait des esquives. Il était pas prêt. J'ai un perdu là-dedans. Juste fait un dégât de coque. Ça va. Ok. Ouh. Du poisson. Ah, on a. Par contre, on a. On a farmé sec, hein. En vrai, je rentre plein comme une huître. On est bien. On est très bien. Oh. Ma réserve. En chaudant. On a pris une place de dingue. Ah si, j'ai quand même des petits trépas à faire. On a quand même pété une canne à pêche. Heureusement, on pouvait plus pêcher. Tout va bien. Le dock flottant. Eh ben, il nous faut... non, excusez-moi. Hop, il nous faut une planche de plus. Et 600 billets, bah on les a pas. Ça, tiens. Mais en fait, la dame, je peux lui vendre du coup mes ressources excédentaires, genre... j'ai pas, mais genre si on va au chantier naval. Je peux te vendre ça? Ah bah oui, puisque j'en ai plus besoin. Et bien c'est du génie. Par contre, ça, j'en ai encore besoin. J'ai vu des petits poissons un peu partout. Hop, on récupère tout.
paf. On va devoir s'enfoncer dans le dédale s'il n'y a plus rien à becter. Et je vais me le prendre, et voilà. Mais bon, maintenant que je me le suis pris, il va me lâcher ou... Ah putain, j'ai voulu me mettre en sécurité là-dedans. Ah mais ça m'a pété mon moteur. Misère. En fait c'est pour ça. Ça a cogné pile sur le moteur. Ah puis j'ai bien tout bousillé quoi. Juste à côté, pourtant il paraît être à 8000 km puisqu'on n'avance pas. Rien gagné. Allez. Alors, on fait combien? 267$ et vas-y, chantier naval en réparation. 139. Comment ne rien gagner? Voilà. Je vais faire un petit guide de comment ne rien gagner. Je pense qu'il sera hyper constructif. Allez, un peu, ils sont maudits. On va le prendre. Machin de pierre, excellent. Ok, c'est trop cède. C'est trop cède, c'est pillède. Du bois. Là, parfait. C'est parti. Métal. On en prend de façon au pire. Là, je vends ou je jette, peu importe, on verra. Mais je le monte. Ok, avec ça à prendre. Les petits poissons, on a vite fait. Hop. Poisson vite fait. Voilà. Et le petit poisson vite fait. Ah, c'est réglé. C'est pillé, c'est troncé. On va avoir ce qu'il faut pour payer. Oupi. C'est ce que je veux d'abord. D'abord, ce que je veux, c'est payer ça. Ensuite, ce que j'aurais voulu, c'est les emplacements moteurs. J'ai un bois. Le bois ici. J'ai pas le bois, excusez-moi.
Là, ok, oui, il faut encore un moteur. Ok. Tissu, il n'y a plus besoin. Il faut juste un moteur et après des tonnes et des tonnes de bois. Et ben, on est pas mal. Alors, on est pas mal, mais. Paddock flottant. Mmh. Chantier naval. Tu veux encore de la tech? Oui, tu veux encore de la tech. Oh là là, il faut, vraiment qu'on fasse un billet là. Un vrai et beau billet quoi. Plus rien, j'ai déjà pillé les océans. Voilà. Il n'y a déjà plus rien à prendre. Qu'est-ce que c'est que le machin qui me court après? Je sais pas. Je sais même pas ce qu'il m'a fait. Même pas ce qu'il a voulu faire ou pas. D'ailleurs non, qu'est-ce que je fais là? Ça je m'en fiche. On va pêcher 3 poissons parce qu'il y a 3 poissons, hein, c'est tout. Pêcher 3 pauvres poissons qu'il y a à chaque fois et puis c'est tout. Hein. Hop là. Après tout, on a 10% de chance de pas l'épuiser. On va tirer notre chance. Hein. Voilà. Il n'y a plus rien. Hop. Là, on va là-dessus. Allez, let's strong. Hop. Je sais pas comment je faisais pour avoir le légendaire. Le légendaire rare. Et il est déjà 17h. Ok, on a fait une fournée de pêche. Voilà. Ah, tu sais quoi? On va même aller chercher eux là. Je le vois là. Ah, ils ont disparu. Mais non. Ah, j'en ai looté un quand même. Dans mon désarroi, j'en ai looté un quand même. Allez, 250. Dans la tech, il me manque combien pour le moteur? Deux billes. C'est cher. De toute façon, j'ai pas de bois pour le reste. Donc, qui dit pas de bois, dit bah, pas de bois en fait. C'est le principe. On va réussir à le faire, hein. Un café froid. Un café froid. C'est pas évident, mais on va le faire quand même. Hein. Y a rien, y a un poisson là, me fais pas chier. On va essayer de se glisser dans la passe de droite. Aller voir s'il y a du poisson derrière. Voilà, parce que là-bas. Si on va pouvoir s'aventurer trouver quelque chose. Enfin, l'avantage du filet c'est que le seul fait d'avancer vous remplissez quoi. En fait, ça c'est quand même top. C'est quand même ah ouais 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 il y a un petit truc là. Oula ah oui le barbu déjà croisé. Il y a de quoi faire d'une belle pêche ici. On va remplir. Oh, je suis pas doué. C'était incroyable. Voilà. Les poissons éclatés, on les prend quand même. Ah non, pas du tout du poisson éclaté ça. Mais c'est pas du tout du poisson éclaté.
Hop. Du bois, impeccable. Parfait. J'ai pas du tout la place pour toi. Les os. Parfait. Allez. Eh, une belle session. Hein. Belle pêche. Un beau garde la pêche tranquille. Voilà. Il manque plus que 650 $. Au calme. Eh bien, on marche à poisson. 450 on a. 450, va pour le doc. Ah, il manque encore un peu de thunes. Non, non, mais on va continuer à pêcher de nuit. Hein. Vraiment, on va faire le taré. Hein. C'est là où je me dis, là, les paniers de crabe, faudrait commencer à en balancer, mais tout bout de champ. En même temps, j'en ai un, et j'avoue, je m'en sers pas. Je suis un peu le pire là-dessus. Y'a rien à pêcher, au secours. J'ai tout détroussé. Fusé. Un poisson par un poisson. Le jeu il est déprimé, il me lâche un poids sky par un poids sky. Allez, il y en a un peu par ici. Élevé, il y en a plein. Il y en a plein. Allez. En plus, en général, il y a de quoi se remplir. Moyenne, mais non, me déçois pas, vas-y, il y en a encore au moins deux. Au moins deux. Vas-y, régale-nous. Au moins deux, excellent. Allez, c'est bon. C'est pas mal. On sort plus du tout. Du bois là ? Pas mal, il y a du bois. Ok, bon on a dû se barrer un peu loin pour l'éviter, mais bon c'est pas grave. Hein. Hop, on va se mettre ici, hop, on va pêcher ça. Hop. Ok, pas mal. Rentable. Allons voir s'il y a un peu de bois là-dedans. Du tissu, c'est nul. Je vois du métal. Il me faut un moteur, on rappelle encore.
Ouais, toi là. Très bien. Joli, de toute façon, je pense que t'es le dernier poisson que je trimballe. Alors, mettons ça ici. Admettons, on chercherait à combler les trous. Ça comme ça. J'ai l'impression que ça va être ultra chaud mon histoire là. Je peux pas le trimballer mon moteur. Sauf si je jette un poisson. C'est le dernier moteur dont j'ai besoin. Donc, adjugé. Ça, c'est des planches. Alors là, il peut y en avoir 4. Hein. J'en ai un à carré, je les prends. Ah bah, de toute façon, il n'y en avait qu'un. On va mettre en vite réglé comme ça. Oui, oui, le cauchemar reste tranquille. Reste tranquille. Le pouvoir infernal est plus puissant que ta volonté. Blues. Les petits poils sont là, on va aller se les récup. Hein. On prend vite fait, on fait un petit demi-tour. Bam. On va au dock. Ici. On va se balancer 300 balles. Tac. Tac. Et la puissance d'un farming. Hein. On est bon, on est chaud. Après ça, le bateau il sera full. Il sera full, on sera bon. Je veux le gros moteur pour qu'on ait le moins de problèmes possible en mouvement. Tac, tac, tac. Ah, j'ai raté. Bosphère a l'air de vouloir commencer à devenir oppressante. Mais malheureusement, il est 5h du matin. Chez. Il a pris un coup de pression, l'autre il a essayé d'exister. Il a fait non, tu n'existes pas. Combien? Trop cher? Non. Oh, j'avais encore des sous. Impressionnant. Parfait. Il faut aller au chantier naval. Et ton moteur il coûte 425. Celui-là coûte 250. On arriverait donc à 350. On y est presque, une petite journée de pêche vite fait là. Vite fait, on se trouve un truc ou deux à pêcher, on est bien. Là, ah, c'était un poisson de nuit. Il a disparu. Ah, il n'y a déjà plus rien. On fait peut-être un peu de surpêche. Oh, parfait. Oh boy, magnifique. Tes déchets, tes poubelles, j'en veux pas. Je veux du poisson. Des planches. À la limite, si tu veux vraiment t'insistes. Lâche des planches, quoi. Il est beau Polo. Oh il est beau. Hein. On fait deux. S'il n'est pas là l'autre gros, on va peut-être pouvoir pêcher un truc sympa ou deux. Quelque chose s'est glissé à bord, il a pourri ma vie. Culé, salope. Put. Il m'a niqué un poisson. Voilà. Ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien, mais on doit avoir assez pour faire le billet qui va bien.
Ouais, ouais, on va prendre. On va prendre. Je le prends quand même si j'en ai pas besoin, parce que je me dis je peux le vendre. Ça fera des thunes. Pas du poisson, mais bon, c'est du matos. Je sais pas combien ça vaut par contre, faudra que je regarde. Ah, bien, de la recherche. Très très bon ça. L'odeur fétide dans votre cale devient plus forte. Ah! Ah oui, en effet, il se passe des choses. Merci d'avoir bien tout détruit. À noter, du coup, faut isoler le poisson quand c'est comme ça. Merde, enculé! À expliquer un truc. Oh, l'autre, est... oh, l'autre, il a même pas dit bonjour, il m'a tout de suite posé des problèmes, quoi. Il était encore dans le coin, l'autre naze. Bon, le jeu m'a tout balancé dessus d'un coup. Le porc, il est là. Ouais. Ça va la brumasse, tranquille, 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 calme-toi. Moteur double HS. Oh l'enculé. Le jeu qui veut pas que je me paye mon bif. Hein. Ouais, bah du coup, bah. Je peux toujours pas. Je peux toujours pas rechercher ça. Bah je vais commencer à économiser. Parce que ça, pareil, tu vas pas vouloir. Ah, si, il va vouloir quand j'aurai recherché celui-là. Vas-y. Vas-y, vas-y. Bah on a tout. On a tout. Y a pas de succès pour tout avoir dans le jeu d'ailleurs. Un titre informatif. Non pas ça, je voudrais aller... non pas ça non plus du coup. Au chantier naval. Je voudrais vendre ça. Ça vaut 8$. Ah oui ça vaut rien. Ouais. Vraiment c'est... T'achètes ça parce que t'as rien d'autre à vendre quoi. Oui il faudrait que je répare mon bateau. Je suis pauvre comme un caillou. On se fait un repos. Alors, on n'a plus de besoin. On n'a plus de besoin particulier. Donc, on va remonter au nord, suivre la quête principale. En s'en donnant quand même quelques petits poissons. Parce que faut quand même se rentrer un petit billet. En plus, c'est un petit chelou. C'était gratos quand même. Nord, on va bien dans le bon sens. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, les ruines de l'Atlantide, ça a l'air incroyable. Enfin, ce jeu, c'est quand même vraiment le plus sombre des pêcheurs. Hein. Oh. C'est le Darkest Donjon de la pêche, quoi. Paf. Fait direct. Je sais pas, il y en a vraiment d'autres. Ah non, il y en a plus d'autres. Oh voilà. Rien qu'avec ça, on s'est mis bien. Est-ce qu'on veut faire ça? Voilà, alors on peut faire ça. Ah! Attends. Les quinquins. Du coup, je pourrais pêcher là des gros quinquins. Pourrait pêcher des gros quinquins énervés. Mais bon, après, on est plein, on est plein. Rien de
de faire le Kekos. On est plein. On est bien plein même. Donc bah retour à la moelle quoi. La moelle, le sang de la mine, tout ça quoi. Ah non, je peux encore pêcher. Je le prends. Pêcher, je le prends. Voilà. Et on va là où il y a le phare direct. Hein. Petit poisson là en plus. Moi je serais bien rentré avec 5 poissons, ça aurait été un peu classe quand même. Voilà, merci. Encore un petit. Encore un petit, on est quitte. On est quitte pour tout ce que tu me fais souffrir le jeu. Chien d'abruti. J'écoutais la distance du son. J'y étais pas. Je suis en train de regarder sur le côté comme un débile. Bam, 578. Alors là, par contre, c'était une bonne pêche. Ah oui, j'ai ça aussi à vendre à l'autre. Et faire sauter les trucs. Ok. Je récupère ça. Et on a des trucs à faire sauter. Je pense sur moi. Pas spécialement. Super, les quinquins, c'est génial. Les quinquins, c'est super génial. Tout est fait ici. Est-ce que je voulais. Ah oui, acheter chez toi. Là, le motard. Non. Vendre. Je peux quasiment mettre un moteur sur l'autre. Non. Non, je peux pas. Okay. Non, mais on peut quitter la zone directe. À savoir, c'est bon, on a la maison. Hein. Hop là. Oui, si tu veux. Faire pour moi ça au milieu d'ailleurs. Hop. Hop, le négociant. Prends tes gamelles, mon pote. Hop, terminé. Je crois qu'il faut qu'on aille faire sauter ça. Pas derrière cette île-là, mais l'autre à côté. Ah, c'est un poisson de jour. Alors. Voilà. On optimise. On optimise. On optimisera. C'était de l'opti. Bah on a tout hein. Ouais vraiment. En plus vu le temps que prend le dragage, en vrai, pas mauvaise idée ce que je suis en train de faire. Péter des trucs. C'est pas par là. Putain, quel con. Mais putain. Mais mon pack d'explosifs, je viens de le perdre. Mais je suis vraiment le dernier des débiles. Hein. Oui, agro. Moi aussi, j'ai faim dans l'estomac. Super. Très content de le savoir. Thank you.
Je peux pas lui vendre. Ah, elle l'achète pas, elle. Non. Vas-y, jeter. Réparer. Et pas faire que ça d'ailleurs. Excusez-moi. Fallait que je rachète de la TNT. Sauf qu'elle n'en vend pas. Donc je suis obligé de retraverser les océans pour aller acheter de la dynamite. Oh putain. Oui, c'est chiant, ouais. Bah, plein sud. Allez, let's go, on y va. Nous y sommes. Bonjour. Une dynamite. Eh oui, bah tant qu'à faire, oui. Hop. Côte au fond, côte océan. Par jour, très grosse capacité. On va aller chercher le super moteur qui déboîte. Et après, on lui rajoutera des petits nerveux là. Non, je déconne. Bon, juste avec un seul et gros moteur. Et ben en fait on a même pas besoin d'attendre ici, regardez, pouf pouf. Tout se passe pour le mieux. Hop hop hop. Allons faire péter ce petit coin là, coup de TNT là. Pourquoi je suis en train de faire ça. C'était
c'était pas l'objectif et je suis en train de... Je vais me galérer avec ça. Donc pourquoi je fais ça? Vous avez 2 heures. Ouais, ça comme ça. Tac, 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 pourquoi pas. Du coup... est-ce qu'on peut tourner comme ça? Ok. J'en mets 2. Mais ça ne change rien. J'ai pas la place pour mettre ce gros là, si juste là. Faut être bon à Tetris, hein. Oh ouais, vas-y. Carrément. Je le prends. Ils valent pas grand chose, mais j'ai pas de place. Hein. Oui, j'ai une place là, quoi, vite fait. C'est pas là qu'on peut exploser des trucs. Non, c'est par là, c'est par là. On y arrive. Là. Ouais, j'en étais sûr. Et boum. Et boum, mon gars. Ah, je m'en fous de ce truc. Désolé, hein. En fait, je... Voilà. Je me suis fait chier avec une dynamite pour ça. La réponse est oui, hein. Je sais pas, y'a pas d'autre... C'est pas une question ouverte. C'est... oui, je viens de me faire chier pour tout ça. Pour juste ça. Ok, bon bah oui, ce sont des choses qui arrivent, hein. Poissonnier. Bon, par contre, on s'est fait un billet avec les requins. Rassure-moi, dis-moi que tu l'achètes, ça. Non. Bah non, il l'achète pas. Et bah ça va aller à la réserve, hein. On ira, quand on verra la marchande, on ira lui vendre. Et bah ça nous fait un épisode un peu plus court que les autres, je pense. Et quoi, c'est même pas sûr. Ouais, non, c'est même pas sûr. Hein. Je vous remercie, c'était Knarfunk sur Canobutude Gaming pour Dredge et je vous dis à la prochaine.